vous êtes sûrement demandé ce qu'était qu'un crovologue et la crovologie. Il me serait impossible de décrire Crove à des non-initiés. Néanmoins, je peux vous montrer comment l'on fait pour devenir crovologue. La première étape est le recrutement d'un crovologue, où nous essayons de trouver des gens susceptibles de posséder les qualités d'esprit nécessaires pour devenir bon crovologue. La deuxième étape est l'initiation d'un crovologue, où nous apprenons au niveau choisi les mystères du crov. Oh non, pas lui encore! Oh merde! Qu'est-ce que vous me voulez? Attention! Oh, pourquoi suis-je attaché? C'est ridicule! Regarde en l'air! Hein? Pardon? Aïe, aïe! Ah. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est de l'or! Regardez si haut! Combien de toi chier en l'air? La boulie! Combien de toi chier en l'air? 4! C'est pas ça la réponse! Mais non, lâchez-moi! Laissez-moi tranquille, je capote! Fermez votre bouche! Fermez votre bouche et dites ah! Répondez! Petit con! Il va pas comprendre! Prenez le téléphone! Signalez avec votre nez! Signalez! Allez, signalez-vous! Je vous dis, pardon! Et on nomme cette étape crovologue agriculteur où il cultive et récolte ses idées. Ah, ah bah même vous, vous m'avez réveillé, hein. Bah, hey, c'est pas même assez... Eh, bah alors, hey, vous m'avez rendu ce matin, hein. Ah, bah là, alors, hein. Bah, si. Ah, mon petit chouchard, regardez ceci. Avec l'eau froide. L'eau salée, ça fait mal.
De l'eau. Quoi, encore? La dernière étape de la vie d'un crobologue est les funérailles. Durant cette cérémonie, ses confrères lui disent adieu et ensuite on se débarrasse de ces individus qui ont mené une vie très active au sein de l'Institut. D'ailleurs, si ma mémoire me sert, mon moment arrivera bientôt. Qu'est-ce qu'il se passe? On m'attache comme une momie. Vous avez vu ça, non? Qu'est-ce qu'il fait, ce gros con, lui? Silence, là, grand prêt! Vraiment? Oh! Bip-bip! Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer le départ d'un de nos grands frères dans son ultime voyage dans l'au-delà! Ce grand frère est ici avec nous aujourd'hui! Pourquoi y est-il? Il a compris, ce frère, que si tous les fous étaient dans les asiles, il n'y aurait plus personne dans les rues. Silence! C'est pour ça, dis-je, que ce qu'on est fait est ici aujourd'hui, est ici et maintenant s'en va dans son départ vers l'ultime voyage dans l'au-delà. Il a compris pourquoi! Il a compris! Il a compris pourquoi la Terre est ronde! Naturellement, c'est parce qu'elle n'est pas carrée! Il a compris pourquoi la poule traverse la rue! Notamment, c'est pour se rendre de l'autre côté! Il a compris! Il a compris que la théorie atomique de Bohr ne s'applique pas lors du déplacement de l'atome nucléaire! Maintenant, préparons notre co-frère pour son ultime voyage! C'est tout pour la vie d'un crobologue. J'espère que cela vous a informé. Maintenant, mesdames et messieurs, veuillez m'excuser, un rendez-vous très important m'attend.